Olivier Pianic, vous étiez 47e sur la liste menée par Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, une élection qui est souvent favorable au positionnement de votre leader. Comment vous expliquez ce score décevant pour la liste de Nicolas Dupont-Aignan ? Il y a plusieurs facteurs. Il y a eu pendant des mois, des semaines, les infos qui prévoyaient en fait ce combat entre La République en marche et le Rassemblement national. Donc évidemment, c'était d'une part certains qui disaient on va voter contre Macron et les autres qui défendaient en fait une idée européenne pour laquelle je ne crois pas en fait. Ensuite, il y a eu par rapport au climat, le climat c'est important, mais il y a eu beaucoup d'informations aussi autour du climat et ça a bénéficié, d'où la surprise aussi d'Europe Écologie Les Verts. Et après, le taux d'abstention était moins important que ce qui était prévu. Et évidemment, quand, dans ces conditions-là, les petits partis, entre guillemets, on paye les dégâts, quoi. Le climat.